fait le point sur votre météo, toujours en direct sur Grand Lille TV. 17h passées de 52 minutes, nous avons eu cette perturbation. À l'arrière, il y en a une autre. Elle est déjà bien avancée sur le territoire français et elle a déjà donné pas mal de pluie sur la Bretagne. Chez nous, le temps est toujours aussi sec. C'est aussi une bonne chose. Temps sec du côté de la région parisienne, si vous devez vous y rendre. Actuellement, eh bien, le ciel est dégagé. On attend quand même quelques rafales de vent pour cette nuit. Avec une baisse du mercure, on ira jusqu'à 2 degrés. Demain matin, 4 degrés, du soleil pour tous les nordistes qui nous accompagnera tout au long de la journée. Très belle journée donc en perspective, profitez-en. Les températures resteront douces et de l'ordre de 8 degrés dans l'après-midi. Vos prévisions pour ce week-end, malheureusement il faudra faire avec de la pluie et de nombreux passages nuageux. 4 degrés le matin, 7 degrés pour samedi et des températures en hausse pour dimanche après-midi, on ira jusqu'à 11 degrés et puis lundi, on restera au sec, mais sous une épaisse couverture nuageuse, les éclaircies resteront timides, voire même rares. Les températures, elles, resteront stables aux alentours de 9 degrés. Demain, nous perdrons une minute de soleil en ce vendredi 20 décembre.